Oui, alors bonjour, je m'appelle Sarah Karim, j'ai 24 ans et je suis actuellement en Master 2 de droit des affaires et économie à l'université Panthéon-Assas. Oui, alors moi j'ai étudié en Italie jusqu'au lycée et en 2013 j'ai intégré le lycée André Malraux. Et en terminale, en fait, je voulais faire de l'économie mais je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai découvert qu'on pouvait faire une double licence en droit et économie. En fait, en faisant la double licence, je me suis rendu compte que moi qui voulais être économiste, que finalement en fait le droit était, alors que peut-être qu'on a des clichés sur le droit, comme quoi c'est quelque chose, c'est du par cœur, c'est un lieu fermé. En fait, finalement, j'ai découvert une facette totalement différente du droit. Le moment où je suis arrivée en France en 2013, je ne parlais pas très bien, donc très clairement, je ne comprenais pas un mot de ce qu'on disait. Mais voilà, avec de l'adaptation, beaucoup de travail aussi. Au bout de quelques semaines, arrivée au lycée, j'ai commencé à bien comprendre et aussi à bien le parler. Et une fois la langue, c'était au moment où je suis allée après la terminale à Paris pour l'université. Donc c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Ça a été un challenge parce que aussi, j'ai fait une double licence, donc j'avais beaucoup de travail. Même le samedi, parfois je ne rentrais pas. Il fallait beaucoup d'adaptation. Déjà, j'ai trouvé l'idée super. J'ai dit oui direct. On ne m'a pas beaucoup expliqué, mais dès qu'on m'a dit oui, le but c'est de vraiment motiver les jeunes, leur montrer que voilà, il y a des parcours différents et il n'y a pas vraiment des faux parcours ou des parcours meilleurs que d'autres. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un message très important à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui. Beaucoup, 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 beaucoup de courage. Il ne faut pas lâcher. L'échec ne veut pas dire qu'on a fini là, au contraire. Ça veut dire que voilà, il faut peut-être changer de méthode, mais il ne faut pas s'arrêter là. Franchement, c'est suivez ce que vous aimez. C'est surtout ça l'important. Répondre à des questions, enfin voilà, si jamais il y a des jeunes qui ont des questions sur leur parcours scolaire, chose que je fais déjà depuis des années avec le lycée André Malraux, en fait. Le jour des portes ouvertes, j'y vais, enfin je suis invitée pour parler aux étudiants, surtout en terminale. Donc moi c'est vraiment de pousser ça encore plus. Pas vraiment de définition de réussite, mais je pense que quelqu'un qui réussit, c'est pas quelqu'un qui a, voilà, qui a sa villa, le job de ses rêves, voilà, qui a des millions. C'est vraiment quelqu'un qui avait un objectif dans sa vie, qui l'a accompli et qui sont épanouis. C'est vraiment ça la réussite, c'est se sentir bien avec soi-même. Mes parents, ça peut paraître un cliché, mais mes parents ont déménagé en France pour mes frères et sœurs, pour nos études en fait. Si ce n'était pas pour leur sacrifice, j'en serais pas là. Et aussi toutes les personnes que j'ai pu côtoyer depuis le lycée. J'ai des amis voilà, qui m'aidaient vraiment parce que j'avais un très fort accent. Au niveau de mon parcours, je suis au milieu. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Moi, ce que j'espère, c'est, je sais pas, dans 5 ans, de faire un métier qui me passionne. J'ai abandonné tout ça en fait. J'avais même un truc que j'avais dans ma trousse. Ensuite, on a volé mon sac, donc ça portait pas chance. Et voilà, et parfois je me dis, non, mais t'as pas le choix, faut y aller, jette-toi. C'est comme si je sautais dans le vide. C'est le saut, un saut dans le vide. Oui, c'est on y va, let's go.